What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Lila Chat avec vous pour la 7ème partie d'Assassin's Creed Rogue sur PC. J'ai pas mes écouteurs en ce moment. J'ai eu un petit problème avec mes écouteurs il y a pas trop longtemps. Mais c'est pas grave. Ça nous empêchera pas de faire une partie d'Assassin's Creed Rogue comme qu'il se doit de faire. Il faut maintenir la progression à jour. Donc, mesdames et messieurs, 7ème partie d'Assassin's Creed Rogue. J'espère qu'il n'y aura pas de problème avec le son du jeu. Je vais regarder ça de mon côté en même temps. Ça se pourrait que vous entendiez le jeu en double parce que je vais mettre le son sur ma TV. Parce que moi aussi, il faut que j'entende. Je peux pas être sourd et jouer à Assassin's Creed. Alright. Fait que je vais avoir mes écouteurs bientôt. D'après moi, le son devrait fonctionner pour vous. En tout cas, j'espère. Sinon, vous allez l'entendre un petit peu dans mon dans ma caméra. Fait que c'est vraiment le microphone de ma caméra. Mesdames et messieurs, c'est la 7ème partie. Dans la 6ème partie, on a beaucoup exploré des îles. On n'a pas exploré. Maintenant, on va continuer. Cette fois-ci, on va essayer peut-être de faire la main quest. J'ai commandé une nouvelle manette d'Xbox aussi, là, parce que celle-là, le joystick il est brisé. Là. Il va plus bien le joystick, cette manette-là. Je vais quand même le garder. Là. Je peux quand même jouer un peu avec. Là, mais joystick pour Rocket League, pour des jeux qui demandent de la précision, c'est défectueux, malheureusement. C'est pas grave. Ça ne nous empêchera pas de jouer à des jeux comme Assassin's Creed ou. J'ai cette défaillance-là avec cette manette-là depuis. Depuis Nioh. Fait que. Alright. Voyons voir où est-ce qu'il nous demande d'aller. À New York! Ou dans New York? On a tout exploré les tours. Fait que. Ça va être vite comme ça. On pourra faire un petit fast travel. Ah, regardez ici, il y a une cogwheel. Puis il y a des rénovations qu'on pourrait essayer de faire. On a vraiment assez de matériaux. Non, on n'a pas assez de métal. Ok, on va essayer de pogner un petit peu de bateaux. Juste pour pogner des métals pour faire les rénovations dans les villes pour augmenter notre économie. Là, on a assez de cash. Ça, on n'a jamais assez de cash. Oh, les combats navals. Les combats navals. C'est vrai. Les combats navals. Du bon cash. Oh boy, il mécanise ce bateau là. Ok, on va aller dans notre flotte. On va réparer tous les bateaux qui ont été endommagés pour 46. Seulement 46. Je sais pas quoi, mais. On est à 7 sur 15 de bateaux. Ouais. On va. Attends une minute. Ça donne quoi? Ça donne 1500, ça donne 908, Louisiana 720, mais ça c'est pour une quest, fait qu'on va, sécuriser la route. Ok, qu'est-ce qu'on a comme bateau au bord? Oh, une brig, un gunboat, une brig. Un scale. À part la brig. La brig est un petit peu plus gros. Ouch! Quand même pas mal. Oh, one shot a gunboat. C'est plus dur à péter. Oh, yeah. Nice. Good. Easy life. Oh.
Ok, ship requirement. 15 seulement. Ok, 15. 32-53. Ok, 32-53, c'est le plus vite. That's it. Ok, 1500, je vais le prendre. Oups, je vais le faire. Hein? T'as pas un skip battle? Pareil là, mais chaque fois je vais skip battle. Ok, 15 encore ici. Oh, ok, de Duke a 15. Ça prend 20. Ouh, tu en as 20 piles. 25, 35. Bon, 25. 45. Ah. Ok, ben, on va y aller. Ça n'a pas d'importance. Tout ce qui est en haut de 1000, je vais le prendre. Tout ce qui est en bas de 1000, je ne le prendrai pas. Combien de cash qu'on a dans la banque? Ouh, 5000, on est rendu à 34K. Là, avec ça, on va définitivement pouvoir faire des rénovations. On va pouvoir y aller, I guess. Ouh, on va découvrir celle-là. Et si on voit des bateaux ennemis dans le coin, on va les prendre. On va les. Bon, s'ils sont bons, c'est sûr qu'on va les envoyer dans notre flotte. Si c'est de la merde, on va les. On va les salver. C'est nice sans écouteurs. Ça me donne vraiment le goût d'avoir un microphone de, sur table. Genre un Blue Yeti ou. Ok, on rentre dans un secteur de danger direct. Youpi! On peut monter de même. On va y aller discret. Discrétion. La discrétion. Un petit peu trop loin. Oh! Really? Yeah.
Juste du monde mort. C'est juste du monde mort. Des vieilles carcasses humaines. Hey, what's up Andrew? Bienvenue dans cette sixième partie d'Assassin's Creed Rogue. Excusez, septième partie. Lui non plus, il bougera plus. Oh, oh, il y a des beaux petits. Oh, oh. Je vais me relier là. Il peut y avoir des castors dans le coin, on va checker. Voilà! Comment qu'il voit une douleur? Attention, faut pas aller trop vite. Faut que ah! J'allais vite, esti, là. Oh là. Il faut atterrir juste en avance. Doucement, là. J'ai pas de temps, fait que ça va aller. Quoi? Il les a tués les deux? Non, il les a pas tués les deux, il va se faire tuer. Deux autres encore. Mais non.
That's it! 1500 plus 200 bonus reward. Ça c'est quoi? On n'a jamais assez de cash. Ouais, on va passer par là. Hier soir, j'ai joué un petit peu aux échecs. Je me suis fait rate ma race. Oh, ici on a des ours. Ouh! Ah! Et voilà. Quand on est là, je l'ai skinné, ça n'a pas pris de temps. Oh, ça, ça va aller dessus, mais on va quand même essayer. Là. Gros minos. Y'a-tu l'autre? Tu as perdu la mission. Mais c'est tout. Attends, on va tuer tout le monde avant. Là. Ils vont m'empêcher de faire ma chasse. Ils ne savent pas ce qui s'en vient. Tu m'entends là, moi? Non, oui, je peux. Oh, excuse-moi. Je sais qu'ils vont m'empêcher de faire ma chasse correctement. On s'occupe du problème tout de suite, ça va être fait. Ok, on a donc l'autre ici. Les munitions, why not? Les boules de neige. Bon. J'imagine que quand je vais la starter, ça va peut-être faire le spawn des. Ok. Avec Dagger Pill, ouais. The time limit. Ok. Ah oh, ben, il faut que j'aille par là. Oui. Oh, j'entends déjà un ours. You. Qu'est-ce que tu me donnes? Ça va marcher avec ça. J'imagine que non. That's it, that's good. Easiest work. Il y en a la deuxième, fait que je vois. Tiens, on va juste faire ça. Et voilà. Fait qu'on en avoir plusieurs, ça va être mieux. Je vais pouvoir faire le chip. Et voilà. Easy. Comme d'habitude. Plus 1400 bon, ça c'est en fait. Peux-tu crafter quelque chose avec ça? Non, pas encore. On va vraiment falloir que je fasse de la pêche bientôt. Oh, ça je peux le faire. J'ai celle-là, je l'ai faite. Je vais faire celle-là d'abord. C'est 2 Arctic Wolf Pelt, 2 Eastern Hawk Hide, Smoke Bomb Pouch. Voilà. Pour la troisième, on a du Deer Hide puis du Beaver Pelt. Et. Ok, non, je l'ai déjà celle-là. Celle-là, je l'ai pas. Ça va là, je l'ai lu avec. Ok. Ah non, j'ai pas Arctic Fox Pelt. Ok. Beaver Pelt. Mais non, si j'en ai deux. Ok, j'ai des acquired. Ok. Mais ça, il y a un résident. Ok, ok, ok. C'est bon. Ok, c'est bon. Oui. On peut retourner. On va aller faire notre main quest. York. Je trouverai ici. Puis on a un fast travel juste à côté. Puis
Puis dans cette ville-là, on a aussi des rénovations qu'on pourrait faire. Parce qu'on a assez de matériaux pour les faire. On a assez de cash aussi pour construire. Là, ça m'a un bug, les gars. Oh, ouais, on a une cogwell aussi. Ouais. On a un. Ça a pensé. Oh! Oh non, non! Ah, qu'est-ce que c'est? Double kill. Oh, qu'est-ce que c'est? The little Paco gun is now available in the captain. Nice! C'est des autres zones. Nope. Smoke bomb. On est top de smoke bomb qu'on a maintenant 2 sur 10. Wow. Ok, on a des rénovations à faire avant de s'appeler. Ici. On va passer avant. Là, l'affaire, c'est que je peux plus me bioter. Fait que si je m'excuse en avance, si mettons j'éternue ou shit de même, là. Parce que je pourrais pas mioter lorsque je vais éternuer. Parce que j'ai pas mon microphone avec le petit bouton mute. Le petit bouton mute que je fais quand j'éternue, là. Ben, je pourrais pas le faire. Bon, combien ça coûte ça? Seulement 350, easy, let's go. On va s'en ressortir. Ouh, une petite maison, c'est. Oh, c'est un hôtel. On augmente l'income à 5750. Not so bad. On a d'autres rénovations à faire ici. Les rénovations, j'aime ça les faire parce que c'est vraiment nice. Ça augmente un petit peu trop le gold, je trouve. Ça augmente trop de gold facilement. Oh, ok, mais dans le chat, what's up? Ouais, ça a des désavantages à utiliser mon microphone de caméra parce que, mettons, je veux changer de voix. Mettons que je suis dans une caverne, puis que je veux faire ça comme ça, ben ça va devenir aigu. Fait que faut pas que je le garde trop longtemps. Parce que pour une raison inconnue, ça fait comme un bruit aigu, je sais pas quoi. Pas vraiment parce que le survol est trop fort, je sais pas. Hey, ça! Bitch! Hein? Tu penses à me tuer? Not today! Des fois, je peux être chanceux et le parchemin va dans ma direction. Mais là, non. Moi, j'ai pas les balais. Commencer à expérimenter Titan Quest. Oh, c'est un jeu mobile ça ou. C'est un jeu sur Steam? Sur PlayStation? Titan Quest, ça sonne mobile. Ah, PC Steam? Ah, ouais. Hey, y'a un jeu en spécial là, sur Steam, Total Warhammer, j'ai quasiment le goût de l'acheter. Total Warhammer 2. Vrai que c'est un esti de bon jeu. J'ai un 70% de. Combien ça coûte ça? 20 métal. Ouais. Mais moi, ce que j'aimerais, là, ça serait faire une grosse game, là, qu'on soit plusieurs dans un jeu, là. 20$ pour vrai, ça vaudrait la peine, je suis pas mal sûr. Des rénovations, il en reste encore plein, man. Ah non, c'est sûr que si tu pètes ta carte de crédit, oublie ça, là. Ah, je peux pas, je te vends, là, aussi. Mmh.
J'ai remarqué que dans Assassin's Creed là, à date, on peut pas monter des chevals. J'ai remarqué ça là, depuis Assassin's Creed, je pense, 3. On n'a plus accès aux chevals. On met ça coûte ça. 10 de métal de même, 100 graines, puis 60 clans. Ok. Ouais. Ok, un autre building de builder. Un building de builder. Ah, les rénovations. Un petit autre, un bleu. Flash Travel 7. Non, mais 7, oui. On va Flash Travel 7, yes. Alors, comment tu trouves Rogue? Ben, il est correct. C'est passable, c'est passable. Non, il est bon. Okay. Hey, il y a un what the hell, c'est bizarre, ça dit qu'il y avait une écriture quelque part cachée, peut-être en haut. Ouais, il est correct, c'est comme... Voilà, comment je peux dire, c'est comme un peu... Auquel je pourrais comparer. Non, il est correct. Il est vraiment correct. Mais je trouve que Brotherhood est meilleur. C'est bizarre, ça dit qu'il y a quelque chose ici. Comme une... Ah, oh, j'ai accès à ma fleet ici. Ah. Oh. Bon, j'ai pas besoin de faire ça. Il est bon. Il est comme un Assassin's Creed normal un peu, là. Mais l'aventure, d'où? L'aventure est malade. L'aventure, ben non, elle est bien malade. Mais y a rien de nouveau, ça, je veux dire. Vraiment. Aïe, aïe, c'est pas brillant, ça. Oh, c'est bon. La puissance. Oh yeah. Le personnage est nice aussi, j'ai rien à dire. Le personnage est nice. Mais moi, personnellement, ouais, Black Flag c'était un des meilleurs aussi. Là. Le personnage il était tellement. C'était juste. Le jeu complet il était juste trop nice. Avec le personnage qui était vraiment nice. Puis l'équipage, tout était nice. Mais. Je vous dirais le deuxième à date là, j'ai eu vraiment des bons feelings pour Brotherhood. Brotherhood avec Ezio là, il a dépassé bien des attentes. Ah, j'ai pas assez de métal pour ça là. Ok, bon, c'est pas grave. Ouais, on va aller faire la main quest. Alors, oui, il va y avoir de l'action là, je le sens. Ah, bonne vaisselle, Akim. Moi, je l'ai faite tantôt, mais là, il va falloir que je me rase. Parce que. Non, mais je travaille. Ça me tente pas. Pantoute. Ok. J'ai vraiment pas hâte à demain. Comme d'habitude. Puis en plus, là, ma job, c'est tout rendu de nouveau, là. Puis là, c'est tellement pas mon genre de personne de monde qui a ma job. C'est genre le contraire de moi total, c'est-tu. Ah, Master Cormac, j'ai eu confirmation de ce que vous a avoué le chasseur. Les brigands locaux changent de tactique. Quel est leur plan? Leur chef a chargé Benjamin Franklin de fabriquer de nouvelles armes. Il est sous garde. Benjamin Franklin, le scientifique, vous le connaissez? Parfait. Il met au point un équipement visant à répandre des gaz parmi la population. Des gaz toxiques, voyez-vous. La population? Il devait s'en servir contre les autorités. Ce qui serait tout aussi horrible. Les bandits que nous avons arrêtés sont dirigés par une femme terrible. Elle me semble être à l'origine de ces sinistres. Je saurai ce qu'il en est. Merci.
je vois les sous-titres là, puis my god, il a dit une fan terrible, puis il a dit, puis dans les sous-titres c'était marqué intimidating woman. En français c'est une femme intimidante. Pas une femme fucking terrible. Ça, une femme terrible là, ça serait une terrible woman. Mais ils ont marqué intimidating. Puis on dit en français ils ont dit une femme terrifiante. Pas ça parle, hein? Mauvais sous-titre. Après 6 ans, t'as dû en voir des nouvelles personnes. Ça fait pas 6 ans que je suis là, my god. Ça fait pas 6 ans, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, man. Je suis là depuis 2011. Ça fait 10 ans que je fais ça. Oh oh! Ok, on va aller voir la femme terrifiante maintenant. Ça. Ouh! Il y a de l'action ici. Oh shit! Je m'incruste dans l'action. Oh, c'est une grenade, watch out! Non, 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 on saute pas dedans, mais ça. J'ai tellement pas rapport dans ce combat-là. Yo, what's up? Hey, je suis vraiment en train de mordre. Dans le dos, dans l'œil. Je vais tuer tout le monde qui se bat parce que j'ai pas rapport. Oh, bah! Qu'est-ce qui s'est passé là, Saint-Sibois, les gars? Oh, oh, t'as un grenade, man. T'as un oh, dodge! Okay, nice. Bien dodge. Ok, on perd sa petite défense de fond. Et on le tue dans le dos comme ça. Bon. Ok, j'avais tellement pas rapport là-dedans, mais c'est pas grave. On est là pour tuer tout le monde. Yeah, yeah. Oh, le keg. Qu'est-ce qu'il veut que je calisse ici? Oh oh! Combat! Combat! Dodge! Dans le dos! C'est violent! Et dans le dos encore! Hein, voilà! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Allô? Oh! Chris, il habite dans Noirceur, le gars! Oui, c'est vrai. Sir, je viens récupérer le fruit de votre expérience. Très bien. Et vous avez de la chance. Je viens tout juste d'achever les réparations sur le prototype. Le voilà. Je me préparais à faire route vers Philadelphie et de là vers l'Europe. Je dois donner une conférence à Londres. Oh, auriez-vous l'extrême bonté d'en informer Madame Po? Bien sûr. Mais trop gentil. Que fais-tu, escrapule? Tu veux retourner la vie contre elle-même? Que t'est-il arrivé? Ouais, comme je l'ai dit au début, c'est normal. Mon microphone est sur ma caméra, ça se peut vous entendre. Non, 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 non. Enfin, juste. Parce que moi aussi, je vais entendre le jeu. Mais... pas d'être ça. Quand je vois que mes nouvelles recrues sont en roi regret, je leur dis toujours que la poudre est le meilleur moyen de se faire. Vous entendez en même temps que moi, c'est ça. Ah, ok, bon, une petite marche là. Ce prototype paraît très puissant. Utilisez-le avec précaution. Pas de problème. Nos renseignements indiquent que cette arme peut détruire des fortifications et blesser plusieurs ennemis à la fois. Elle a aussi une application plus subtile. Certaines de ces grenades contiennent un puissant sédatif, capable d'endormir les foules et faire ceci. Nous devrions essayer cette arme. Oh, je vais essayer cette arme. Détruisez cette porte. Grenade launcher. Hmm. The grenade launcher is a powerful ranged weapon which can use shrapnel, berserk, or steel grenade. You can purchase a grenade in general store or craft them from your inventory.
j'ai oublié, je peux pas me monter. Utilisez ces sonnages pour ouvrir la porte. Oh, lisse. Bon travail. Ok, je commence à aimer cet assassin Creed là. Bon. J'ai un grenade launcher, tout va bien, man. Ça vient d'augmenter la note du jeu de l'autre là. Pour l'instant, qu'un tabarnak! Boum boum! Destruction, quand même, c'est même. Ça m'a attention! Oh oh, ça se peut que. Je peux. Ouh, attention! Ah, c'est la sleep grenade, celle-là. C'est l'heure de la sleep! Tout le monde est sur sleep. Oh non, c'est la Berserk! Oh shit! C'est la Berserk grenade! Et oui, Berserk! Oh my god! Attention! C'est pas qu'un mortier cette affaire-là. Tabarnak! Check le monde qui sont assis ici là. Êtes-vous confortablement bien assis? Boum! Calice! Qu'est-ce qui est arrivé à son bras? Oh. Ok, on va aller tuer du monde, let's go. Ce que j'aime de cet Assassin's Creed là, c'est que je peux tuer des civils. Ça aussi, ça augmente la note. Oh bonjour beau petit chien, ben oui, t'as rien vu toi, hein? Bon, laisse-moi looter le sticker. Bon. T'es ben méchant. Ben, si tu veux, c'est dans ma nature, je suis un assassin. Je peux pas, je peux pas pour être gentil, qu'on laisse. Oh, il y a des assassins dans le coin. Je peux pas être gentil, je suis un assassin. Rawr! Je me dois de tuer, c'est mes instincts de tueur qui parlent. Ah, oh, je peux détruire le système. De toute façon, c'est toi là aussi. Bon! Attention! Ça va faire boum 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 boum. Boum 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 boum. Boum 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 boum. Ça explose encore, hein? Encore, allez, je dois jouer en main. Bon. Ok. C'est parce que je vais tomber dans les pommes. Y'a-tu un sniper là-bas? Hop! Calice de cave. Pourquoi il a fait ça? Ah, même pas. Nice! Ah, attends. En bas là, il y a des. Oh, nice. You know what it means. You know what it means. On va reload the grenade launcher. Put 10 guards to sleep. Le grenade launcher berserk. Ah, mais c'est pas peur, ça. Oh my god, j'étais un bombardier, moi, que je te dis. Yeah. Time. Il dort, le petit gars, il dort. Il est mort, ça. Ah, tu sais quoi, je vais pogner des grenades dans le monde. Là. Je vais tirer dans le tas à quelque part, là. Il y a plus de monde possible. Ah, ben, tiens. Watch out, big boys! Oh my gosh.
Sleep time. Oh, mais on peut. Sleep time. Tout le monde dort, ici. Oh, il t'en est pas, mon stick. Oh, pour m'attaquer ici. Bon, ben, je suis à côté d'une. Je sais pas si ça va faire exploser ça. Boum, boum. Non. Oh shit. Bloc. Mission. Slice. Mon master yard, parce que je vais prendre la pomme. Devine quoi, man? Ah, oh, c'est dangereux. Putain, yes. On va voir ce qui est dangereux, mais c'est... Ça l'a-tu réveillé? Ça l'a réveillé ou il dort, lui? C'est grave, c'est grave. Sous-sleep! Sous-sleep! Attention, sous-sleep! Et voilà, 10 sur 10. Kill 3 guards with a single grenade! Ça, ça va être facile aussi, man. Three guards, ok, three guards. Attention, attention. Ouh! 17, je peux t'appagner, tu penses? Oh, ouais, on va essayer de garder. Ça va pas aller là. Ça va quand même loin, tout ça. C'est comme un mini mortier. Si je ne sors pas, je vais mourir ici. Mais non, t'as un random shot, comment tu veux mourir ici, Tosti? J'ai déjà tué une armée dans le fort, je devrais être capable de sortir d'une zone de merde. Ouais. Le bâtiment va exploser! Oh shit, ok, on va aller là. Oh oh. Aïe. On fait le mur, Tosti. You know what? What? Let's. Ouh! Et voilà. C'est que c'est malade avec Golden Launcher, man. Sauf votre respect, colonel. Il faudra plus que quelques explosions pour décourager ces termes. Ce jeune homme a raison, colonel Monroe. Chase, c'est bien ça. Félicitations. Vous avez débarrassé la ville d'un nid de merde. Je suis Jack Wicks. Voici William Johnson. Ces lunettes sont très futuristiques. Je suis ravi de vous rencontrer. On dirait qu'il voyage dans le temps, c'est vrai. Restons pas dans ces poussières. André. Jay pourra sûrement nous raconter ses aventures à la taverne devant une pinte. Hey, la première tournée pour le colonel, d'accord? Un problème, Master Cormac? Je suis, comment dire, désorienté. J'ai bien respecté un peu ce gars. Une bière vous fera le grand bien. Nous sommes tous amis. Vous serez en bonne compagnie. Ah ouais, il y a une bonne bière, ça va te guérir, esti. T'as qu'il y a un virus, moins de bonne bière, on va être correct. On va être correct. Tout va bien aller. Raid time! Oh! Voilà dans l'animus. Est-ce qu'on va aller dans l'abstergo? Peut-être continuer dans l'abstergo. Ah, peut-être. Peut-être pas aussi. Non. Atlantique 1757. J'imagine pas mon income. Une bonne petite pomme. C'est pas de la bière, c'est de la pomme. Bon, c'est de la merde. Ils peuvent faire la bière.
colonel. Cher Master Korvac, pardonnez la brièveté de ce missive, mais il est temps d'abaisser mutuellement nos masques. Vous avez prouvé votre valeur et votre loyauté envers les Templiers, et ceci malgré vos origines d'assassin. Ou peut-être grâce, je détiens depuis quelque temps le manuscrit que cherchais chez mon frère. Je m'en suis emparé quand mes hommes nous ont trouvé sur le village. Le grand maître en personne m'a chargé d'en découvrir le sens. Une tâche que je n'ai hélas plus à faire. Je vous en laisse soin, Master Korvac. Nul n'est plus digne que vous de ma confiance. Je m'apprête à partir pour Fort Boyamel, où une garnison mal préparée se retrouve cernée par des indigènes alliés à l'armée française. Nous avons demandé des renforts, mais je doute qu'ils arrivent. Je ne me fais aucune illusion sur nos chances en survie. Ma vie tout entière est au service de l'armée britannique, et mon âme est promise au père de la sagesse. Bien à vous, colonel Jean. Ok. On va voir notre cash. Oh! 51k. Easy. Tabarnak. Okay, on a en masse de cash, mais on n'a pas assez de... de matériaux. On a du métal. You need metal. On a genre deux genres de métal, c'est-à-dire. Métal qu'on n'a pas, puis le métal qu'on a. Je sais pas si c'est des planches de bois ou c'est du métal. En tout cas, c'est du... Je sais pas. On va un petit peu le... storage, on a rien à battre en couille. C'est qu'on est là? Take the wheel! Mais y'a où des roues sur ce bateau-là? À part la. Le capitaine est pas là-bas! Envoyez les revoirs! C'est qu'on est là? What? On est où? Ah. Ok, on est là. Je pensais qu'on était dans une nouvelle zone. Bon, on est exactement à côté d'un fort. Fort Louis. On va aller dire bonjour à Monsieur Louis. Comme un petit peu le Ray. Ouh, du métal, ça. C'est une bonne source de métal. Envoyer un petit mortier qui n'arrivera pas à sa race. Ok, j'ai quasiment un shot. C'est bon, le style de Ronis. Oh non, j'ai pas eu de l'écart. Board! Bon, la meilleure partie, ça. Boum, boum. J'ai speedrunné le bateau en hostie. C'est un bon bateau, ça. Regarde-tu un Savage? Regardez, on n'a jamais assez de bateaux pour faire des missions. Au pire, si je trouve des meilleurs bateaux, je vendrai les bateaux que j'ai déjà pour des meilleurs bateaux. Easy. Bon, Louis. Ah, c'est vrai, il y avait un autre bateau. C'est bon, il y avait du métal, lui. C'est du métal, il n'y a même pas de métal. Ah, mais il y a du wood. Ah, ok, c'est ça, c'est du wood. Thanks.
aller réparer le bateau. Qu'est-ce qu'il va? C'est pas mon bateau. Pourquoi le bateau? C'est mon bateau! Pas de touche! Sinon, on va donner un coup de pied dans l'œil. Bon, c'est parti encore, let's go. Mais on se tient mal invisible, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a un mal invisible? Il n'y a plus de balles dedans, c'est quoi? What? J'ai rien fait! Il y avait un mur invisible! Ok! Easy! On va réparer. Easy! Bon, Louis, là je vais aller manger mon waypoint. On va être contre notre. Ok, ça c'est des alliés, ok. Mais là-bas c'est. Oh, un petit peu de métal. J'ai besoin de métal. Qui relève la Monroe. J'en ai one shot si avec le mortier. On a une balle de mortier qui me reste. 8 bateaux free kills. Oh tabarnak, il y a une armée de bateaux là-bas. Calais, escalais. Ouh! Je bombarde qui est dans le milieu. Hein. Des gens dommageurs en plus, c'est dit. Attention, boum boum boum. Ça, ça va leur faire mal en plus. Nice, j'ai quasiment one shot. Il était déjà endommagé. Ça, c'est le bateau que je vais garder dans mon. Dessus. Oh yeah! Non. Oui. On l'aborde tout de suite. Oh, c'est bon. Non, tout, non! Faites-le pas exploser, faut que j'embarque là-bas. Faut que je l'aborde. Tasse-toi dans mon chemin! Mmm, intimate! Ok. On a un petit problème là. Je vais aborder ce bateau là. Je vais le faire couler, je vais l'aborder, mon temps. Oh my gosh. Oui, bon. Oh yeah, kill 20 ennemis, ça c'est pas un petit bateau de merde là. Ça on va l'envoyer dans notre fleet. Ça c'est du bateau, mon gars. Ça c'est mon bateau maintenant. Armée là-bas, ça va être fort. Un autre de moins. Un autre de moins. Un autre de moins. Qu'est-ce qu'on est bas? Oh, on les voit bien ça. Un, deux pour un. Ah, un pour un. Un pour un. Il va pas bien, ça. Oui. Eh ben bon! Faut pas passer devant un canon, hein? Let's go, let's go. Ok. Hey, c'est vrai, j'aurais pu juste.
Oups. Oh my gosh. J'ai plus de génie, c'est ça que je voulais faire. J'ai plus juste resté dans mon bateau pour faire un mini mortier dans le bateau adverse, puis that's it. Nice. Send to Carmack Fleet. Ça, c'est du gros bateau, mon gars. Bon, c'est un petit peu moins gros qu'un Man O' War, mais quand même. Ça va faire la job. Oh shit! Oh oh! C'est pas pire, là. Sacrément. Attends, ça c'est... Non, c'était des amis, ça. Ok, on s'est fait aborder. Pas cool, hein? Oh, une petite jambette, mon gars, hein? Hein? La jambette de la mort. Alright, let's go, mon gars. J'ai pas mon coup aussi, j'ai pas mon coup aussi, j'ai pas mon coup aussi. Small slice, and slice. Mon bateau. Bateau. Pensez nous aborder? Hell no. Ok, on envoie. C'est quoi ça? Oh oh, c'est pas de métal, let's go. Tiens, on va l'envoyer au Carmack Fleet. Toujours besoin de plus de bateaux. Hein, un beau petit chapeau, ça. Voilà. Voilà, ça fait beaucoup de matériaux. Il y a un autre bateau là-bas qu'on va aller prendre. Attends une minute. Il y a du métal dans lui. Oh oui, 45 métal, ici. Oh, poor old man. Ça va être vite fait, bien fait, comme d'habitude. Allez, allez. Boum. On est loin un peu, je les vois pas là. Ah, encore un. Boum, boum, boum. Boum, 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 boum. Voilà. 45 métal, I'll take it. Oh, il neige maintenant. Bon. On va. Ok, faut qu'on fasse envoyer. J'avais assez de bateaux pour faire des combats navals. J'anticipe le pire. Interact tout avec. Je vais prendre mes prises avant. Aussi dans Assassin's Creed Rogue, on voit pas des personnes à la mer parce qu'ils justement ils sont gelés, ils sont morts. Tu restes genre 10 secondes dans l'eau, t'es mort parce que c'est trop froid. Personne dessus. Il y avait quand même une coupe de métal, fait que je me suis dit non, on va le prendre.
Des petits bateaux de même, ça peut aller rapide. On a reset le one time wall, c'est perfecto. Oh, attends une minute. On va voir ce qu'il veut, là. Ouais, c'est autant. Ah, on les a sauvés, c'est vrai. Oh! 1510 crew members, c'est parfait. I'll take it. Ok, nice. Ok, on va aller voir la quest. Ah, le fort, j'ai complètement oublié. C'est ça que je vais faire là. Je sais que la quest est sûrement à une autre place là, mais moi je vais faire l'effort. Un shooter! Bon, viens! Shooters! Est-ce qu'il y a un shooter? Ah, c'est ça. Allez. Il veut du métal! My way! Comment ça? Il va se rater aussi, je pense. Oh, speedrun ce bateau là, let's go là. On est dans ce bateau là. What are you doing? Ah, je n'ai plus. Yolim! Ça va aller. Thank you.
Oups. Tabarnak, c'est encore pire lui. Bien malade nous pour chasser dans le 45 matin lui, nice. Ah, il y a un mur invisible pour le tuer, lui, Chris. Pas de métal, man. Bon, le fond, il va être... Non, mais il y a du métal. Je peux pas y
un gars en haut. Boum. Easy. Pourquoi qu'il a pas qu'au gun dans Assassin's Creed Rogue, il est vraiment plus le fun à utiliser que dans Black Flag. Bon, maintenant on va y aller pour le fort. Le fort. Oh, attends, on va mettre ça. C'est là, je vois. En arrière de moi, genre. Il y a un autre bateau là-bas qui n'a pas été abordé. On voit rien à cause de ça. C'est fort comment pour le stream. Les bateaux à aborder partout, mon gars. Corps du métal. Je te dis, je vais pas manquer du gardien de métal. Je t'en ai d'en manquer, là. Let's go. Allez, on va rentrer dans le salon.
un bateau. Chaque fois que j'affronte un fort, le climat est si... rien de bien, je crois que... Il va se voir une tête de l'eau aussi. Tout le monde. À date aussi, une grosse différence dans oh boy, il faut réparer notre bateau, ça. Dans Assassin's Creed Black Flag puis dans Assassin's Creed Rogue. Dans Black Flag, il y avait des bateaux légendaires. Dans Rogue, il n'y a pas l'air d'en avoir. Pour l'instant. Thank you.
encore des astuces, là. Des. Pété de bateau. Cinq. Ah oui, on a une. Nice. Attends, Stillman, on est juste en haut d'eux. Ça va être fort, ça. Easy. Ils vont peut-être tirer les câbles, ils sont déjà bons, il y a bon là. Bon truc là, c'est comme de passer un peu en avant d'eux. Oh shit! Comme ça, ici on a une bonne angle puis on est juste en haut d'eux. Ça va plus vite pour les tuer, genre. À côté parce que le. Et voilà. Dernier, après ça, je vais aller faire le fort. On s'assure de le passer un peu, puis d'être comme ça, là, on a l'angle parfait pour toutes les pétées d'un shot. Et voilà. C'est le bateau le plus vite au monde. C'est ça la nouvelle stat, c'est ça la nouvelle stat. C'est la nouvelle strat, man. 28 de métal, let's go. Thank you.
Ah, je m'en fous. Oh, Spartator, he is back! Avec un cheers de. Oh, 50 bits! Merci beaucoup, Spartator! Comment qu'il va? Oh, yes, des bons matériaux, ça! Merci beaucoup, Spartator, d'être passé. À plus. Pensez à toi, puis j'espère te revoir bientôt, même. Il est must wanted. Mais c'est bon ça, ça veut dire que. On board.
Oh, mais foutez-moi la paix, merde. On veut encore se battre, let's go. Oh ok, on s'est fait aborder. Tout. Ah bah je vais donner. Oh shit. B! Ça veut pour counter qu'il y a 6 mal. Qu'est-ce que je fasse? Kill! C'est beau. Là, je vais réparer mon navire. Là, il est magasin en estime. Oh yeah. Full de métal. Yes. Take that. J'étais à 3 sur 3 de fucking niveau de recherche. C'est beaucoup ça. Oh, des munitions aussi, nice. Mm-hmm.
par là, par là. Comme toi, non. Oh my god, que du monde ici. Viens là, mon gars. Oh yeah. Oh oui, il y en a des combats légendaires, des navires légendaires. Il y en a, il y en a. Ok, wow. Donc c'est des petits... wow, qu'on va aller, on va aller en faire un. C'est pourquoi on va aller à Saint John. On va qu'il y ait de quoi ici. Coupe de coffre, mais... on va aller à Saint John, puis on va aller faire le beau petit poisson à côté. On va aller faire un petit peu d'harponnage. Je l'ai marqué, puis il s'est démarqué. Oh non, j'ai oublié de. Oh, shit. Attends, on va retourner au fort. J'ai une solution. Faire travel, comme ça j'esquive les chasseurs de merde. On va docker. Et avec le dock, on peut parler à ce double-là. Si je me souviens bien, ce double-là va me... Non, c'est pas lui. Oh, il y a un peu d'updater plein d'affaires. Combien de métal? 769. Wow. Là, on en a, mon gars. Ouh. L'armure du bateau. The best. Of the best. Of the best. On va même l'augmenter deux fois, c'ti. Oh my god, qui va être insane de même. 350. Broadside cannon. Il y aurait deux canons de plus. Shoot. Mortal, c'est insane ça aussi. Strength. Rim of Raid, c'est fort. On va y aller avec le plus important. Hein. Deux upgrades de bateaux aussi, juste à chasser des bateaux comme ça. Encore un petit peu de métal pour
Le bateau va être vraiment puissant là. Oh yeah. Comme la roche. Pas croire que ça flotte cette affaire-là, style. Putain, on va aller faire de la pêche maintenant. Là, il y a des crises de. Des chasseurs. Des bounty hunters. Et ça commence, regarde là, le matériel. Là. Je m'en doute d'attaquer d'ici. On va attaquer dessus. Il y a 120. Là, il y a full de masse. Non, ils les ont fait couler, les tabarnaks. Fuck. Oh, qu'ils sont vitaux. C'est nous qui rentrent dedans, puis c'est eux qui nous. Fait que les bounty hunters, faut juste pas leur rentrer dedans. Parce que sinon, ils vont les aborder d'une shot. Pas très tranquille. Tu veux pêcher tranquillement, puis des astuces de poulet de canon nucléaire qui t'attaquent. Thank you.
Tant qu'il nous attaque pas, on est correct. C'est comme dans Black Flag. Il est là-bas. Ouais. Le wagon monte. Et voilà, on l'a eu. Bon, nice. Et voilà. Et on part des Wanted Level, ça c'est vraiment bon aussi. On avait 3 étoiles tantôt. Il y a un autre Killer Wall par là. Fait que la chasse va être importante. On va aller ici. Puis on va conclure la 7ème partie, parce que ça fait déjà quasiment 12 heures. On va pas faire des trop longues parties non plus. C'était vraiment une bonne partie. De la chasse, on a fait de la pêche, on a surtout récupéré beaucoup de matériel pour le bateau. Je veux dire que le bateau est rendu vraiment au bout, l'armure est au bout. Donc, je peux pas avoir plus de vie que ça avec mon bateau. L'armure est au bout. Et c'est un excellent comme progression. Va peut-être falloir qu'on fasse on augmente les canons, mais là on a assez de métaux pour ça, fait qu'on va pouvoir faire ça dans la prochaine partie. Dans la prochaine partie, on va essayer de focusser un petit peu les main quests, parce que là on est vraiment prêt à aller faire les main quests. Puis je vais peut-être faire un tour au shop pour voir les armes aussi, qu'est-ce que genre d'armes qu'on peut s'acheter, parce que avec le nombre de cash que j'ai en ce moment, on peut définitivement acheter de nouvelles armes et ou des améliorations, c'est sûr à 100%. Fait que, mesdames et messieurs, merci d'avoir visionné cette 7ème partie. Je vais aller me raser. On continue le stream plus tard ce soir. Soyez là, ça va être insane. Fait que, j'espère vous voir ce soir. Si on s'en va pas, bonne soirée tout le monde. Faites attention à vous. Restez légit, restez positif et surtout, keep on gaming.